Bonjour et bienvenue, c'est la nouvelle saison et on est ravis d'accueillir tous les joueurs du Basket Club Maritime. Notre premier rendez-vous avec Yannick Boccolo. Yannick, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit, Yannick, abordes-tu cette nouvelle saison 2013-2014? De manière sereine, c'est ma première pré-saison. Donc, je vais voir, j'ai un peu peur du côté physique, mais après on verra bien, on va découvrir l'équipe. Que retiens-tu de la saison dernière? Je retiens déjà le titre qu'on a pu avoir à la semaine des As, ça c'est le bon côté, c'est notre première place. Et aussi la phase finale qu'on a pu jouer en Coupe d'Europe. Maintenant après c'est vrai que le X c'est les playoffs pour l'instant, donc c'est sur ce qu'on va se concentrer un peu plus. Alors, quels sont tes objectifs? Quels sont les objectifs du groupe pour cette nouvelle saison, pour 2013-2014? Mes objectifs c'est de faire plus mieux que ce que j'ai pu faire l'année dernière, j'ai pas beaucoup apporté. Il y a deux ans aussi, donc mon objectif personnel c'est d'avoir fait l'équipe pour aller avec eux et puis justement moi-même aussi me remettre dans mes jeux parce que justement j'ai su être à l'aise au BCN et avoir une bonne position, donc ça m'a donné ça. Et puis par rapport à l'équipe, c'est l'EPF, c'est vrai que c'est ce que le public attend, ce que nous aussi on attend, ce que tout le monde attend, donc il ne faut pas oublier les chemins qu'on a pu faire pour aller jusque-là, mais c'est vrai que c'est un nouveau objectif. Alors, quel message souhaites-tu passer aux supporters du BCM, changeons de supporters? Bah déjà, première chose, ne changez pas, parce que peu importe la saison qu'on ait pu faire, ils étaient derrière nous. Maintenant, c'est vrai que nous, on va essayer de redonner plus, puisque nous en avons plus chaque match. Alors, une question qui est posée par l'un de nos fans sur Facebook, il s'agit de Jean-Michel Lebon. Les années précédentes, tu avais manqué une partie de la pré-saison à cause de l'équipe de France. Cette année, c'est malheureusement différent. Le fait d'avoir les cadres dès le début de la pré-saison est-il mieux? Et est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que cela va permettre au BCM de faire une plus belle saison? Je l'espère déjà, oui. Et maintenant, après, pour moi, ça va être différent parce que c'est une préparation que je pourrais commencer dès le début. Maintenant, c'est vrai que l'équipe n'est pas au complet, donc ça ne change pas grand-chose. Je pense que les cadres, c'est plus ceux qui peuvent manquer parce que justement, ils connaissent déjà le fonctionnement. Donc, il vaut mieux que l'équipe soit au complet le plus rapidement possible pour justement avoir une base rapidement. Vraiment, l'équipe s'est toujours composée de cette manière, donc on n'est pas inquiet par ça. Merci Yannick.